Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation rapide du calage et je vais en profiter pour vous montrer le montage de mèche. Donc déjà pour que vous puissiez vous faire une vraie idée de la taille, vous voyez ce que ça donne déjà. Il fait 12 mm. Le flux d'air se fait directement par le connecteur, par les deux petits trous là qui sont sur le connecteur. Vous avez un pas de vis en bas. Le câble, c'est en une seule partie. La chambre de vaporisation, il n'y a plus de câble. De toute façon, c'est tellement petit qu'il n'y en a pas besoin. Là, on a le plateau de la taux qui n'est plus excentré, mais qui est vraiment en position centrale. Et l'arrivée d'air qui se fait directement sous la mèche. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer comment monter la mèche. Il va vous falloir un petit peu de une petite longueur en fait. Vous allez faire deux boucles autour de votre doigt. Deux boucles. En prenant soin de garder les deux extrémités comme elles sont positionnées là. Une fois que vous avez la bonne longueur, moi ce que je fais pour enlever le goût, c'est que je la brûle, mais ça vous le savez déjà. Il suffit de la faire rougir. Faire pareil avec le fil résistif, le faire rougir un peu. Donc, je reviens, j'ai oublié de prendre une aiguille. Petite aiguille verte. Moi, je trouve que c'est mieux qu'avec une aiguille rose parce qu'elles sont plus fines. Donc là, on n'a pas trop de risque de se tromper comme ça. Moi, avant de travailler la mèche, en fait, une fois que je l'ai chauffée, je la mouille un petit peu pour pas que les fibres elles se brisent. Quand on va faire les boucles et enrouler le fil résistif autour. Donc là voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous refaites vos deux boucles autour de votre doigt. Comme ça. Vous récupérez la mèche. Voilà ce qu'on devrait avoir. Donc là, on a de chaque côté. On a deux boucles, plus le morceau de mèche qui est resté, plus l'extrémité. Prenez l'aiguille. Moi, je vais faire 5 tours pour avoir une résistance de 1,5 ohm. Je suis avec du 0,20. 5 tours, en essayant de le faire bien au milieu de la mèche, en fait. Essayez d'avoir un enroulage de spire assez régulier. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous préparez le plateau en fait. Ce que vous allez faire, c'est dévisser les deux vis. Il ne faut pas les enlever. Ce qui se passe, c'est que les deux vis sont collées à la cheminée d'arrivée d'air en fait, au conduit. Donc
Moi, ce que je fais, c'est que je les dévisse jusqu'à ce que ça arrive à peu près au même niveau. Ça laisse suffisamment de place pour passer entre la vis et le conduit. Et en même temps, ça facilite le montage. Vous allez comprendre. Là, j'ai coupé l'excédent de fil résistif. Là, je le tiens directement par, par la spire. Je sais pas si on le voit bien. Et là, je vais le passer directement entre les deux vis, les deux morceaux en même temps. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, normalement, là, le fil résistif, il peut plus partir. Vous voyez, j'ai même plus besoin de le tenir, là, il tient tout seul. Donc là, il suffit de replier les extrémités de chaque côté. Là, je vais plier par là, là par là. Et là, il n'y a plus qu'à visser. Vous pouvez mettre le doigt ici pour pas que le fil reparte quand même. Mais logiquement, il n'y a plus qu'à visser. Voilà, là c'est vissé sur le côté. Moi je le coupe comme ça, le fil, je le torsade, il se coupe tout seul. Ça nous permet d'avoir vraiment de le couper au plus proche de la vis. Voilà ce que ça donne à ce stade. Une fois que vous avez fait ça, avec l'aide de l'aiguille, vous allez faire passer la résistance au-dessus du conduit d'air. Vraiment, que ça arrive vraiment juste dessus. Comme ça, là vous pouvez retirer l'aiguille. Et avec l'aiguille, vous allez passer l'aiguille en fait entre la mèche et le conduit. Juste histoire de le dégager un peu. De laisser un peu d'espace quoi, pour que l'air, la circulation se passe bien. Voilà. Là, c'est suffisant. Voilà, donc là la mèche est prête. Elle est montée. Je vais remettre les spires à leur place. Ça marche. Bon, là c'est un petit peu lent parce que la mèche elle est mouillée. Là ça marche, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre un autre morceau de mèche, petit, comme ça. Vous allez le mouiller aussi, le brûler, le mouiller. Et avec ce morceau-là, vous allez joindre les boucles. Là, vous les passez dans les deux premières boucles, comme ça. Et là, de l'autre côté, vous allez passer dans les deux autres boucles. Comme ça, et là, moi ce que je fais, c'est que je tiens la mèche à cet endroit-là. Je tire un petit peu histoire de bien le tendre. Là, je la tiens, et là, je fais un nœud. Là, par contre, c'est important de ne pas oublier de mouiller le petit morceau, sinon il va casser. Voilà. Là, vous serrez, pas trop fort, sinon ça va casser tout de suite. Un deuxième nœud pour être sûr.
Voilà, là il y a un petit bout qui a cassé. Voilà, donc là c'est attaché. Couper l'excédent. Voilà, là ça nous donne ça. Il vous reste donc les deux morceaux de mèche là. Ceux-là, vous pouvez aussi les couper. Ce que je fais, c'est que je viens coller le ciseau au bord de la tôle, sur la partie alu. Et là, je coupe vraiment ce qui dépasse, quoi. Voilà. Ces deux petits morceaux de mèche, en fait, quand vous allez visser la chambre de vaporisation, ces deux petits morceaux de mèche vont se plaquer sur le plateau. Et s'il y a des gouttes qui restent au niveau du plateau, elles seront absorbées par ces deux tout petits morceaux-là. Voilà. Donc là, c'est monté. Vous avez plus qu'à remonter la chambre de vaporisation. L'intérêt de faire ça aussi, c'est que la chambre de vaporisation est petite. Donc ça vous permet, si vous l'ouvrez, si vous le démontez, ça vous permet de ne pas avoir à toucher la mèche qui est gorgée de liquide, à manipuler la mèche, ce qui va forcément l'abîmer au bout de quelques démontages. Donc là, ça vous permet en fait de pas du tout la toucher. Et ça rentre nickel. Voilà. Là, vous pouvez le redémonter. Ça, il n'y a même pas besoin de prendre des précautions. Voilà. Donc là, c'est monté. Moi, je vais le monter sur le mode et je vais vous montrer donc la capacité. Ce qui est sympa aussi avec cette mèche, c'est vu que c'est un lateau dry pour dripper, quand vous allez dripper, vous êtes sûr de tomber à chaque fois sur la mèche. Vu qu'elle arrive vraiment au centre. Donc avec ou sans les drip tips, quand vous allez dripper, vous touchez à chaque fois la mèche. Donc là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gouttes. Je la laisse un petit peu arriver à la résistance. Et là, normalement, c'est bon. Vous voyez sur le dock, c'est petit. Là, je suis à 12 gouttes, ça ne bouge pas du tout. Voir, il n'y a pas du tout de liquide qui ressort par les gouttes. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrivera jamais, ça peut arriver qu'il y ait du liquide qui sorte par le connecteur. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de souffler par le drip tip. Dans ce cas-là, si vraiment le connecteur se retrouve gorgé du liquide, dans ce cas-là, vous le démontez, vous l'essuyez, et là, vous soufflez par le connecteur, ce qui va faire remonter le liquide dans la tôle, en fait. Il y a une bonne vape, il y a un bon hit. Moi, je suis en 9 mg, ça me convient. Le hit est sensiblement pareil que sur un Chihuahua. Et moi, perso, je trouve qu'il y a un petit peu plus de vapeur que sur le Chihuahua. Après, ça dépendra aussi du liquide qu'on va utiliser. Là, c'est du 80-20, moi, que j'utilise. Donc, je pense que le résultat est pas mal pour du 80-20. Le plateau est assez long, il est fin mais il est pas non plus super long, mais il est assez long pour pouvoir vapoter avec un drip en alu sans que ça chauffe, que ça brûle au niveau des lèvres. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci.